Un, deux, et deux. Blackpink in your area. 해외 팬들을 노린 건가요? International 팬들을 위한 거. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes voleurs, mes voleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car on va parler du retour de Blackpink. Elles sont enfin revenues après un an et deux mois avec le morceau How You Like That. Cette vidéo va se faire en trois parties. Je vais vous parler de l'avis du public et vous expliquer l'avis du public par rapport à How You Like That. Ensuite, je vais vous donner mon avis par rapport à How You Like That. Et ensuite, c'est mon amie Marina, TikTokeuse et Instagrammeuse de renom, qui est aussi fan de K-pop, qui va vous donner son avis sur le retour de Blackpink. Je me suis dit qu'avoir l'avis de quelqu'un d'autre que moi dans cette vidéo serait encore plus constructif, même si on a sensiblement le même avis. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous donne un objectif de 10 000 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. C'est l'été qui est là maintenant, et à partir du 4 juillet, je vais commencer à poster beaucoup plus souvent sur YouTube, donc j'espère vraiment que vous serez là. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un welleur, une welleuse. Blackpink est de retour, je suis beaucoup trop content, je suis tellement heureux pour tous les Blink. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, commençons avec l'avis du public. J'ai le sentiment qu'énormément de monde ont apprécié le nouveau morceau de Blackpink. Le visuel a beaucoup été félicité et c'est vrai que ce MV est juste magnifique, les filles sont trop belles. Les images sont vraiment bien faites, donc gros big up à la réalisation, à la production. Franchement, le MV, il est super, super, super stylé. On sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour faire quelque chose de beau. Le chant de Jennie au début, puis le rap de Lisa, j'ai beaucoup apprécié et je sens que les Blink ont aussi adoré. Franchement, les Blackpink ont fait un super travail et globalement, je sens que le public a beaucoup apprécié ce retour. Donc évidemment, on félicite les Blackpink et on leur envoie un maximum d'énergie positive. Malgré tout ça, il m'a pas fallu longtemps à mes amis et à moi pour nous rendre compte que l'avis du public par rapport à How You Like That est plutôt mitigé. Ou du moins, il est plus mitigé que d'habitude, genre par rapport aux autres comebacks de Blackpink. C'est-à-dire que malgré le fait que beaucoup de personnes ont adoré ce comeback, ont adoré la musique, il y a aussi certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas aimé et qu'ils trouvent que la musique n'est pas à leur goût. Ça fait 4 ans que je suis fan de K-pop et je crois que c'est la première fois que je fais face à ça. Je crois que c'était déjà arrivé à Twice, mais j'avais pas trop calculé. Le soir même, je vais sur Twitter pour jauger un peu l'avis des gens par rapport à la musique, voir s'ils ont kiffé et tout. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils ont aimé, mais je vois aussi des dizaines et des dizaines de tweets qui expliquent pourquoi ils n'ont pas apprécié How You Like That. Pourquoi ils n'ont pas apprécié la musique et pas le MV. Le MV, les images et tout, c'était toujours félicité. Même s'il y avait quelques trolls, la majeure partie des gens étaient très matures, respectueux et donnaient des arguments. Et ça m'a fait très plaisir. Que quelqu'un puisse dire, ok, j'avoue, j'ai pas trop apprécié la musique, mais qu'il reste respectueux et qu'ils donnent des arguments, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour les fans K-pop français parce qu'ils ont cette maturité. Ensuite, je suis allé voir le ratio de like-dislike sur How You Like That de Blackpink. À l'heure où je tourne cette vidéo, How You Like That de Blackpink a 127 millions de vues et a déjà 500 000 dislikes. Un demi-million de dislikes. À titre de comparaison, pour que vous puissiez bien comprendre, leur MV Playing With Fire et Whistle ont seulement 180 000 dislikes pour plus de 500 millions de vues. Et c'est vraiment grâce à ces statistiques-là que j'ai compris qu'il y a plus de monde que d'habitude qui n'ont pas apprécié la nouvelle musique de Blackpink. Alors la question qu'on s'est naturellement posée est la suivante. Pourquoi est-ce que How You Like That n'est pas forcément apprécié de tous? On a mené notre petite enquête, on a contacté des Blink, on a regardé des témoignages sur les réseaux et on a compris certaines choses. Alors déjà, beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas particulièrement apprécié le refrain car ils ne l'ont pas trouvé assez explosif. Ou alors simplement parce que le refrain ne leur a pas fait beaucoup d'effet et voilà, c'est juste pas leur style. Avant le retour de Blackpink, il y a eu des teasers, notamment en vidéo, mais aussi en photo. On pouvait voir Blackpink avec un style un peu science-fiction, quelque chose de très sombre et qui reste très classe. Sur les photos, Lisa avait un regard noir, perçant, les cheveux noirs, un piercing à la lèvre, c'était waouh. Vis-à-vis de ces photos, beaucoup de gens s'attendaient à un MV beaucoup plus sombre et à une musique beaucoup plus sombre. Aussi, beaucoup de gens ont comparé How You Like That à Kill This Love et disent que par rapport à Kill This Love, c'est pas assez explosif, pas assez entraînant, pas assez... ça percute pas assez quoi. Il y a aussi un argument qui est beaucoup revenu. Certains disent qu'ils n'ont pas apprécié la fin du morceau à cause des paroles. Dans le sens où à la fin de la musique, Blackpink répète des onomatopées pendant 16 secondes.
Et voilà, il y a certaines personnes à qui ça n'a pas vraiment plu. Aussi, certaines personnes accusent Blackpink de plus en plus s'américaniser pour plaire au public américain et donc faire plus de ventes. Et voilà, ça plaît pas à certaines personnes. Aussi, j'ai vu certaines personnes dire que Blackpink c'est toujours le même style, qu'elle ne se renouvelle pas assez. D'autres personnes ont carrément dit que Oh You Like That c'est genre Kill This Love en moins bien. Que vous ayez aimé cette musique ou pas forcément, il y a aucun souci avec ça. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde. Que vous expliquiez pourquoi vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, que vous expliquiez aussi pourquoi vous n'avez pas aimé. Je pense que ça va clairement clarifier la situation pour tout le monde et tout le monde pourra se comprendre et s'aimer. Donc voilà, idéalement, si vous pouviez donner des arguments, ce serait génial. Donc voilà, tout ce que je viens de vous raconter, toute cette première partie de la vidéo, c'est l'avis d'une certaine partie du public. Ça représente pas l'avis global, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié et ces gens-là représentent une majorité, et il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié et ces gens-là sont en minorité. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur Oh You Like That de Blackpink. Franchement, la musique est très ambiançante et le MV est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le chant de Jennie et le rap de Lisa. Mais j'ai vraiment envie d'être 100% honnête avec vous, voilà, genre... On se connaît maintenant, on va pas... voilà. Et la vérité, c'est que j'ai pas accroché plus que ça. J'ai bien aimé cette musique, mais c'est tout. Après plus d'un an d'attente, je dois dire que je reste un petit peu sur ma faim. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me disais, mais pourquoi ce MV, pourquoi cette musique, elle me prend pas aux tripes, quoi. J'ai pas eu ce sentiment de « waouh ». C'est magique, c'est exceptionnel. J'ai pas été émerveillé comme Blackpink a déjà su m'émerveiller. J'étais là dès le début et j'ai adoré Boombaya. J'ai adoré Dududu. Les gars, quand Kill This Love est sorti et que je l'ai écouté pour la première fois, je crois que j'ai ressenti les mêmes émotions que le jour où j'ai découvert BTS. C'est-à-dire que j'avais totalement flashé sur Kill This Love et je trouvais ça, mais... complètement dingue, je trouvais ça génial. Et pour le coup, je dois être honnête, Oh You Like That ne me fait pas ressentir tout ça. Je crois qu'après plus d'un an d'attente, je m'attendais à ressentir les mêmes émotions que pour Kill This Love et ça a pas été le cas. Je pense que le fait d'apprécier ou non une musique, c'est quelque chose de très intime, de psychologique. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres goûts. Et personne n'a le droit de vous critiquer, de vous insulter parce que vous appréciez une musique ou parce que vous ne l'appréciez pas. Des fans de K-pop qui adorent BTS, qui adorent Blackpink se font persécuter au quotidien parce qu'ils aiment la K-pop. Et aussi des ARMY, des Blink, à qui il peut arriver de ne pas apprécier une musique de leur groupe préféré, eh bien ils peuvent se faire insulter, ils peuvent se faire lyncher par les membres du fandom parce qu'ils n'ont pas apprécié une musique. Et franchement, c'est pathétique, c'est ridicule. Je ne remets absolument pas en cause la qualité du projet de Blackpink. Oh You Like That est un projet exceptionnel et de qualité. Simplement, moi j'ai envie d'être honnête avec vous et de vous dire que ça m'a pas touché plus que ça. Je vous laisse avec l'avis de mon amie Marina sur Oh You Like That. N'hésitez pas à aller la follow sur Instagram, je le mets juste là. Je m'appelle Marina et aujourd'hui je vais vous donner mon avis par rapport au comeback de Blackpink avec Bradley. Il faut d'abord les féliciter pour leur comeback parce que ça fait quand même depuis un bon moment qu'on l'attendait tous. J'espère vraiment que vous allez respecter mon avis, en tout cas je vais le dire de façon constructive parce que je respecte Blackpink et tous les groupes dans la K-pop. Je voudrais aussi vous faire un disclaimer, c'est que je ne suis pas non plus une hard stan de Blackpink, ce n'est pas mon groupe préféré, mais c'est quand même un groupe que j'écoute, que j'apprends leur chorégraphie, etc. et tout, mais je ne suis pas non plus la number one fan, donc c'est normal que peut-être ça ne me fait pas le même effet que les Blink. Tout d'abord, je vais commencer par les côtés positifs, bien sûr. Comme d'habitude, Blackpink, YG nous offre une qualité esthétique magnifique. Simplement, le clip, le budget, je n'arrive même pas à penser quel a été le budget pour ce MV, parce que les couleurs, l'esthétique, le fond, tout, genre... Même si je suis pas non plus une énorme Blink, je peux voir que voilà, la qualité de leur clip, c'est juste magnifique. Et là, avec How You Like That, c'était genre juste... Oh my god, it's so pretty! La robe rouge de Jennie, etc. C'était juste, genre, juste trop beau. Et aussi un détail que j'adore vraiment parce que j'adore Lisa. C'est vraiment une danseuse que waouh, j'admire énormément. Et j'ai vraiment adoré le détail avec sa dent. Je sais pas si vous avez remarqué, à un moment elle porte une dent en argent. Et genre ça, c'est juste trop badass. Autre point positif sur leur comeback, c'est que Jisoo et Rosé a plus de vues. Enfin, on va dire, on les voit plus. Bien sûr, on les voit énormément. Mais c'est vrai que souvent dans les clips de Blackpink, bah voilà, Lisa et Jennie sont très mises en avant. Et en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas quand je l'ai ressenti, quand je l'ai vu, c'est que voilà, Jisoo et Rosé étaient vraiment genre waouh, ouais, elles étaient là, on avait l'impression qu'elles sont 4 et pas 2 en fait. Un autre point positif que j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus le plus important des points positifs, c'est que voilà, la chanson elle reste quand même catchy, c'est à dire que voilà, on l'écoute, ouais voilà, on a envie de danser et tout, donc ça c'est vraiment signé Blackpink en fait, le truc un peu ouais, compris. Ah, et bien sûr, très important, les expressions, vraiment
au top. Maintenant, on va passer au point négatif que moi, en tout cas, je trouve. Ne soyez pas vexés, les Blink. Je sais que les Blink, quand ils ont vu leur comeback, elles vont dire « Oh my god, Queens are back !» Mais étant moi-même une Blink avant, et d'ailleurs, je ne suis plus une Blink, mais ça ne m'empêche pas de regarder ce qu'elles font, vous voyez. Mais je ne vais pas non plus les critiquer parce que je les respecte 100%. J'espère ne pas me faire tuer. Un point négatif que j'ai ressenti lors du visionnage de leur comeback, c'est qu'à la fin, j'étais pas impressionnée. Je suis pas en train de dire que c'était pas impressionnant ce qu'elles ont fait, c'était impressionnant comme je dis le visuel etc et tout, mais à la fin j'étais pas en mode waouh holy shit, vous voyez, j'étais pas comme ça, vous voyez, j'étais plutôt en mode genre ouais c'est bien, vous voyez, mais bien sûr c'est pas mauvais hein. Je suis personne pour critiquer en mode genre, ah non mais ça c'est pas, je suis personne pour dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi à la fin de la vidéo de How You Like That. J'étais un peu en mode genre ouais c'est bien, mais j'étais pas en mode oh. Je me rappelle que quand j'ai vu Kill This Love, j'étais en mode genre oh trop stylé, oh, oh, oh. Et en fait vous voyez, par rapport à ça, je vais un peu connecter pourquoi j'ai ressenti ça. C'est tout simplement pour ceux qui ont regardé les teasers, voilà, on regarde toujours les teasers avant le comeback. Les teasers étaient d'un niveau waouh, genre moi je trouvais ça trop stylé. Elles étaient hyper badass, genre les tenues qu'elles portaient, le maquillage qu'elles avaient et comment la caméra elle bougeait tout pour les teasers, genre j'étais trop impressionnée. Et donc je m'attendais vraiment à un truc de malade. Et j'ai l'impression que les teasers étaient ce niveau là et le clip était de ce niveau là. Oui, ça reste toujours bien le clip, mais je sais pas, le teaser était là. Bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chanson et que genre c'était pas ouf, hein. Bien sûr ça reste toujours ouf, mais c'est juste que moi voilà, quand je l'ai vu, j'étais pas en mode genre ah ouais, ok. Vraiment, je m'attendais à beaucoup plus, mais ça veut pas dire que ce qu'elles ont mis là c'était pas déjà beaucoup. Ne changez pas mes mots s'il vous plaît. Autre point négatif, entre guillemets négatif, c'est que j'aurais voulu que la chorégraphie soit plus dure. Bien sûr là je parle en tant que danseuse, je sais que certaines personnes quand elles voient leur danse elles sont en mode genre oh my god trop dur et tout hein. Mais juste pour vous dire que j'ai déjà appris le refrain en genre 20 minutes. Bien sûr ne vous trompez pas, je suis pas en train de dire que leurs danses sont genre easy. Bien sûr il y a des précisions etc et tout, mais en général leurs danses ne sont pas compliquées. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que c'est nul, non c'est génial, vous voyez c'est trop bien. How you like that? Mais justement c'est ça en fait, Blackpink leur concept c'est vraiment de faire un truc hyper badass, hyper wow girl crush genre. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est leur concept. Mais c'est juste que moi je le trouvais un petit peu trop répétitif etc. Leur danse c'est toujours un petit peu des mouvements comme ça en mode bam bam. C'est juste un truc vraiment genre bam qui tape à l'œil. Pour moi voilà, je trouvais que leur chorégraphie était quand même assez répétitive etc et tout. Et c'est dommage parce qu'elles se sont de super bonnes danseuses. Et souvent pour relier au fait que la danse était un petit peu répétitive, moi en tout cas j'ai trouvé que la chanson était très répétitive. S'il vous plaît gardez ça en tête parce que moi je suis dans le monde de la K-pop depuis déjà un bon moment. Je sais comment les fandoms elles fonctionnent, voilà. Étant moi-même une army, je sais comment on fonctionne depuis un bon moment déjà. Et je sais que la moindre erreur ou la moindre chose comme ça qui est dit, ça peut être super mal pris et on peut se faire hyper attaquer. Et c'est ça un petit peu le côté négatif de la K-pop. Mais bien sûr, faut prendre en compte que j'adore ces filles, genre je les déteste pas, vous voyez, mais on a le droit de critiquer tant que c'est constructif. Ta meilleure amie, tu l'adores, mais il y a des choses qu'elle fait que tu n'aimes pas, donc tu es obligé de lui dire. Mais ça veut pas forcément dire que ce n'est plus ta meilleure amie. J'ai trouvé un bon exemple là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même si j'ai un peu un regard critique sur ça, ça n'empêche pas que, en général, leur comeback était bien. Vous voyez, j'en sais pas. Je dis pas que c'est nul. Non, j'écoute, j'ai appris la danse. La chanson était répétitive, mais ça reste une bonne chanson. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait que How You Like That et puis aussi Look at You Now Look at Me, Look at You Now Look at Me. Et il y avait ça. Et après, il y avait une petite partie où chacun avait leur bout. Et boum, c'est parti sur un dance break. Vous voyez, genre c'était pas. Pour moi, par rapport aux autres comebacks, il manquait un truc de Blackpink. Je sais pas, pour moi, j'étais pas satisfaite. Mais bien sûr, j'ai beau penser ça sur la chanson, ça ne m'empêche pas de l'écouter, même si elle est répétitive, même si la danse elle est facile pour moi. Pour moi, retenez ça, pour moi, mon avis. Bien sûr, ces côtés négatifs-là ne vont pas non plus gâcher les côtés positifs que j'ai abordés. Je trouve leur comeback toujours aussi, voilà, beau, etc., esthétiquement bien fait, travaillé. Je pense que tout ce qui a été visuel, esthétique et tout, et vraiment les expressions et tout, c'était au point top. Et je pense que c'est ça justement, l'agence est tellement trop préoccupée du visuel à montrer pour que ça soit tape à l'œil, qui sont pas trop pensés à ce qu'il y avait un petit peu derrière, qui reste quand même très important, donc la chanson en elle-même. Mais putain, c'est horrible comment dans le monde de la K-pop t'es obligé de préciser à chaque mot que tu fais pour ne pas te faire trancher en deux. Après moi je sais comment faire parce que je suis une army, donc je sais comment ça marche et surtout je sais comment je vais me prendre les trucs, donc vous inquiétez pas, vous pouvez m'insulter hein. Mais voilà, ça change pas que j'aime la chanson, le comeback était quand même super bien. Ça fait du bien d'avoir un comeback pendant cette période un petit peu bizarre. Hein. Voilà, en tout cas, je ne critique pas du tout leur travail ou quoi que ce soit ou non. J'espère que vous avez compris que je suis pas en train de les critiquer, que je les déteste et que je les ai insultés, que j'ai dit que leur comeback était nul, loin de là. Hein. Il y avait la musique pour nous faire danser, etc. et tout. Et voilà, il y avait quand même aussi un truc qui manquait à Blackpink, qui rendait pas Blackpink Blackpink. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du comeback de Blackpink. S'il vous plaît, soyez très respectueux envers moi ou même Bradley, parce qu'au fond, ça reste notre avis, ça va pas changer le fait que Blackpink reste quand même un très grand groupe de K-pop très populaire. S'il vous plaît, soyez respectueux et constructifs dans vos commentaires. Chacun a le droit de penser ce
qu'ils veulent tant que c'est constructif et que ça respecte l'opinion des autres. En tout cas voilà, j'étais très contente de faire mon apparition. Et moi je fais plein de gros bisous et merci à toi Bradley. Bye bye, fighting Blackpink. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un énorme pouce bleu, n'oublie pas, objectif 10 000 pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Blackpink est de retour et je suis trop content pour les Blink qui attendaient ce retour depuis tellement longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait extrêmement plaisir. Si c'est pas encore fait, rejoins-nous, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un welleur ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Blackpink!